Salut tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Kingdom Come Deliverance. Et dans le dernier épisode, on avait tenté une bataille qui s'était pas très bien finie. Parce que je me suis fait exploser par le boss, en fait, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais un peu améliorer mon équipement, faire quelques quêtes de plus, peut-être m'entraîner une fois avec le capitaine Bernard pour monter un peu en combat, parce que combat 4, défense 2, arc 4, épée 4, c'est vraiment pas très haut. En force et en agilité, je suis légèrement supérieur. Et je voulais également récupérer une arme spécialisée pour avec des dégâts de choc. Type marteau d'armes lourd, sauf que le marteau d'armes lourd il faut une force minimum de 10 et j'en suis très loin, donc on va voir si on peut s'approcher des 54 ou pas. Déjà je pouvais monter à 37, ce qui est déjà relativement bien. On va récupérer, donc je suis chez notre ami. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le meunier Volzek, peut-être. Dans l'objectif de récupérer un peu de sous et de terminer la quête qu'il m'a demandé. Je vais regarder si j'ai un arc qui me serait plus utile. 50 pour l'arc de villageois long. Par contre, il demande 6 en force minimum. C'est-à-dire que quand j'ai fait un cauchemar, c'est pas bon. J'ai envie de le garder quand même, 47, c'est le mieux que je puisse savoir. Est-ce que je me garderais pas un 42 aussi? Ouais. C'est un honneur qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi. J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir... D'accord. Est-ce que j'ai encore des crochets? Oui, pas mal. Pas mal. Je pensais que j'en toucherais moins. Toutes ces choses. Allez, vendu. Ah, j'aurais pu négocier. Bon. J'ai fait ce que vous aviez demandé. C'est pas Formidable, gravissime. Henri. J'ai hâte d'avoir les dernières nouvelles de Thalberg. Je croise les doigts pour que le capitaine Robard mette une bonne correction au commandant. Ah bah j'ai eu des sous avec ça aussi. On va demander une autre tâche. Auriez-vous une autre tâche à me confier? Bien sûr, vous arrivez pile au bon moment. J'aurais besoin d'un cheval. Et puisque c'est moi le patron, j'irai encore plus loin. Je voudrais un bel étalon des écuries de Meroyed. Ce n'est pas une mince affaire ce que vous me demandez là. Je le sais pertinemment, mais je saurais me montrer généreux. J'irai vous voler un cheval, mais il y a intérêt à ce que le jeu envahisse la chandelle. Pas de souci pour ça, mais ne revenez pas avec un vieux canasson. À la prochaine. Alors, il veut que je vole un cheval de qualité. On verra plus tard, on va continuer notre route. Oh. Si j'évite de me prendre les micro-picots des bords des toits, on va continuer notre route vers Rathay. Alors j'ai une autre mission à faire ici, c'est avec Thérèse, je sais plus ce que c'est, un brin de cour, faut que je retourne la voir. Ouais, on fera ça plus tard.
J'ai un truc à faire en B aussi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, battre des gens. Ça en vrai, je pense que maintenant j'ai les stats qu'il faut. Bonne journée à vous. C'est avec Piolet que je dois me battre? Non. Un autre qui est plus loin là-bas. Bouclette. Dieu vous bénisse. Je n'en ai pas. Bonne chance alors. Ah, il m'avait déjà battu, lui. J'ai des gants en métal, ça devrait m'aider. Et plein de protection, alors que lui, il a rien du tout. Racaille. Alors je peux mettre un gros coup ou un petit coup. J'ai tendance à préférer les petits coups parce que c'est plus rapide. Ah bah voilà, j'ai gagné. Oh, il y a même du snap du sauveur. Bon, je suis désolé, j'en profite. Bon, on va peut-être finir cette activité rapidement. Hop. Comme ça, je me serais un peu entraîné à la bagarre. Je pense que j'ai pas. Ah, j'ai perdu 2 en santé, c'est très raisonnable. J'ai des trucs à faire réparer aussi. Chez les armuriers. C'est le tailleur aussi, je crois que j'ai mes bottes à réparer. Ah, je crois qu'il faut un essai de cordonnier pour réparer mes bottes. Ce que je n'ai pas. En fait, le plus important, c'est d'abord mon arme. On va faire les choses dans l'ordre. Bonjour, monsieur le forgeron. Qu'est-ce que vous me vendez en armes? On va regarder celle qui tape le plus fort. Celle-là, elle coûte excessivement cher, elle demande une force monstrueuse. Celle-là aussi. Massue de bailli. Dégâts de choc 61, c'est vraiment pas mal. Mais force 10, force... Ah, force 6. C'est une épée par contre. Donc elle a pas beaucoup de dégâts de choc. Massue de capitaine, force 8, ça m'embête. Marteau d'armes, 47. C'est pas mal, je crois que c'est mieux que ce que j'avais avec mon cheval. Par contre, elle coûte 700. Il coûte 700 le marteau. Hache de guerre en métal. Alors, si je suis bien, les haches elles sont bonnes en taille et en choc généralement. Alors que les massues ou les marteaux. Ils sont gays, ils sont forts en choc. Morgenstern, c'est pas mal, 40. Pas aussi bien que le marteau d'armes. Yel, c'est la marteau de la massue de capitaine, apparemment. Massaelette, c'est un peu moins bien que Morgenstern. Ça coûte cher, ça coûte 500, alors que la... Ah, c'est la Massaelette coûte 600. Masse d'armes, j'en ai une. Et ça fait 37. Ah oui, on va peut-être pas se... On va peut-être... Ah si, 47, ce serait bien. Il faut que je monte en force pour ça. Et puis ça coûte 700 quand même. Ah, j'ai pas regardé combien de sous j'avais.
900. Ah si, je pourrais l'acheter. J'ai juste pas la... la force qu'il faut. Mais ça, à la limite, si je m'arrange pour pas avoir fait de cauchemar, je suis à un prêt. Statistique force 6. Je me dis que je vais m'entraîner avec le capitaine Bernard s'il est encore là. Ça va mimer mon armure, mais ça va me permettre de m'améliorer en plusieurs compétences, dont la force. Je vais m'entraîner à la massue ou au marteau d'armes, mais je crois qu'il propose pas marteau d'armes, donc c'est massue si on veut faire une arme de choc. J'aimerais m'entraîner. Blablabla. La masse. Je vais essayer. Avec un bouclier. Et un bouclier. Allez. Ah, il est plus fort que moi. Tu Dieu. Bien nu. Bon, il est encore nettement plus fort que moi. Je l'ai vu venir gros comme une muraille, mais j'ai paré trop tôt visiblement. Ah là j'ai bien défendu. Oh j'ai fait une belle série là. 3 défenses, bon par contre j'ai pas réussi à contre-attaquer. Hop, une défense parfaite. Je suis monté au niveau 1 en marteau, en massue, j'ai fait un coup dans la tête qui a fait saigner, ça c'est pas mal. Ah, il m'a eu avec la vitesse. De temps en temps, il se laisse prendre un coup dans la tête. Ça va, je m'en sors pas si mal. Je pensais que l'écart serait plus grand. J'ai encore le réflexe de l'épée d'attendre qu'il tape et puis après de taper avec la pointe. Coup des stocks. Ça, je peux rien y faire. Malheureusement. Ah, sa massue est ensanglantée. Je sais pas si la mienne l'est aussi. Je la vois pas bien. Elle passe, je pense, vu que j'ai tapé sur sa tête. Par contre, il m'a pas fait saigner. Ah, son visage est légèrement amoché. Ça, c'est un bon signe. Petite feinte. Ouais, de temps en temps il se laisse taper sur la tête. Je pense que j'ai paré trop tôt. T'es fait comme un rat. Aïe. Maro.
Je pense pas à profiter à chacune des défenses parfaites que je fais. Aïe. Là j'ai pris cher. Il m'a collé contre un truc donc je pouvais pas reculer. Ce n'est pas très mal. Aïe. Bon là ça sent la fin. Alors je crois qu'on peut se soigner avec ce bonhomme en demandant un entraînement pour les combos. Avec des fausses armes. J'essayerai. Sinon ce sera mon dernier entraînement et après j'irai dormir. Hein. Dieu du ciel. C'est dur. Hein. Toi, amène-toi. Hop, c'est bon. Oh là là, je suis mal en point. Ah, il m'a soigné, il m'a pas soigné complètement. Ah si, c'est juste que ça a pris un petit moment. Il vous faut de la technique, mais l'usage de techniques de combat n'est pas évident. Il n'existe aucun coup miraculeux qui vous assurera la victoire à chaque duel. Vous devez travailler votre approche au combat, obliger votre adversaire à se déplacer là où vous le voulez, pour ensuite l'attaquer par surprise. Vous avez vu? J'ai porté le coup par le haut, ensuite sur le côté, pour finir par un pas d'élan vers le bas. Mais alors que vous vous attendiez à ce que j'attaque par en dessous, je vous ai pris à revers. Encore une fois, en garde. À votre tour. Alors. Par en dessus, puis par à la droite et portez un coup de taille. Les coups doivent s'enchaîner les uns après les autres. Dès qu'une attaque touche, amorcez la prochaine. Vous devez respecter l'ordre des attaques, autrement ça ne fonctionnera pas. D'accord. Par en dessus, par la droite et par en dessous. Allez-y. Alors, au-dessus, à droite, bien, en bas. Encore. Au-dessus, à droite. Non, non, ah, non, c'est en bas. J'ai fait trop bas. Oui. Hop. Hop. Bien. Hop. Encore. Ah, c'est pas bon, c'est pas. Vous devez m'attaquer trois fois. À droite, en haut. Ah. J'essaye d'aller trop vite. Pourquoi? Dès qu'un coup touche, changez la zone d'attaque. Et c'est ça. Parfait. C'est bon. Vous pouvez apprendre tout un tas de techniques semblables pour chaque arme. Essayez de vous perfectionner. Alors, santé. 100. Ok. Donc ça marche bien. Alors, je suis encore en combat là. Plus pour longtemps, j'espère. Donc on va pouvoir se réentraîner à la massue du coup. Je sais pas si j'ai monté. En combat, donc je suis monté au niveau 1. Non, j'ai des combos au niveau 7 minimum. Ok. Alors, toc, toc. Ah, crotte, j'ai cassé mon nécessaire. On va quand même s'entraîner. Je sais pas quelle heure il est. 11h. Oh, bon, en fait, bon, si on va s'entraîner et après on ira chez l'armurerie. J'aimerais m'entraîner. Bla bla bla, la masse. Je vais essayer. Et un bouc. J'aimerais pouvoir m'entraîner avec le marteau d'armes. Mais bon, la masse, c'est bien aussi. Oh là là. Il m'a mis un sale combo dès le début. C'est tout ce que tu sais voir. Je sais pas si après pour le reste de l'aventure je garderai un marteau d'armes ou une épée. L'épée a l'avantage de faire un peu plus de dégâts. Et puis sur des gens qui sont faiblement équipés, c'est assez efficace. Mais je me dis qu'un marteau d'armes de toute façon, que le type soit équipé ou pas, si je lui mets un coup dans la tête, ben il prend super cher.
Donc peut-être que je pourrais m'équiper pour affronter les plus durs, ceux qui sont les mieux armés. Et puis les autres, bah je les ai avec l'équipement spécial gens armés, c'est pas très grave. Panda ! Ah, il m'a mis un sale coup dans le dos en me faisant tourner. Ah, j'ai pas fait le coup dans la défense parfaite, c'est dommage. Ah lui, il en manque pas, hein. Oh là, je l'ai bien eu. J'avais juste la bonne distance. Oh, pas de côté. C'était pas volontaire, mais tant mieux. Je suis là. J'ai vu voir gros comme une muraille, en fait, qu'il allait me mettre un coup, mais j'ai pas réussi à défendre. J'ai pas encore le bon timing. C'est tout ce que tu sais faire. Ouais, quand je serai meilleur en combat, ce sera plus facile aussi. Parce que le timing, la zone de temps où ça marche est plus grande. Bah pour simuler le fait qu'on devient un meilleur combattant au fur et à mesure du temps, c'est assez logique. Et du coup, même si moi en tant que joueur j'ai déjà de l'expérience, ça ne me suffit pas. J'ai monté un niveau en force, ça c'est génial. Oh, j'ai réussi à faire une défense. Par les os du Christ. Quand il me colle contre un mur, c'est là que je me fais le plus massacrer. Parce que je peux pas reculer, donc il peut mettre 1, 2, 3, 4 coups. Hop, défense parfaite. Oh, je suis presque mort. On va refaire un coup de combo pour se soigner. Puis après j'irai acheter les nécessaires de réparation de bottes et d'armure vu que j'ai cassé le mien. Ah, j'ai fait saigner là en donnant un coup. Son armure commence peut-être à être abîmée. Je sais pas si tous les combien il la répare, si à chaque début de combat il commence avec une armure neuve ou pas. Il m'a eu, très bien. Est-ce que je peux lui demander... J'aimerais m'améliorer. Bien sûr. Un monument de la hache, mais c'est pas la même chose que la massue, je non? Je crois pas. Entraînement... Apprendre les combos. D'agiter votre épée. Bon, il va blablater pendant un moment. Il vous faut de la technique. Mais l'usage de techniques de combat n'est pas évident. Il n'existe aucun coup miraculeux qui vous assurera la victoire à chaque duel. Bon, en même temps, j'avance sur le succès avec les combos. Puisque j'ai un succès dont l'objectif est de faire 100 combos. Et j'en fais 3 par équipe, par entraînement. J'ai porté le coup par le haut, ensuite sur le côté, pour finir par un pas d'élan vers le bas. Et c'est beaucoup plus facile à faire en entraînement qu'en vraie bataille, parce qu'en vraie bataille,
faire un combo. C'est improbable que l'ennemi n'arrive pas à parer un des coups. À votre tour. Ou alors que si c'est un ennemi faible, on l'est pas tué avant les trois coups. Les coups doivent s'enchaîner les uns après les autres. Dès qu'une attaque touche, amorcez la prochaine. Vous devez respecter l'ordre des attaques, autrement ça ne fonctionnera pas. Frappez par en dessus. Alors, c'est bon. Et par en dessous. Allez-y. Bien, encore. C'est ça. Essayez encore une fois. Non, ah, j'ai fait trop bas. Vous devez m'attaquer trois fois. Trois fois. C'est ça, parfait. Vous pouvez apprendre tout un tas de techniques semblables pour chacun. Essayez de vous perfectionner. Je sais pas à combien je suis monté en force. J'étais à 6 par là, je crois. Donc j'ai monté plus d'un demi-niveau. C'est pas mal. Ok. Ah, il y a le tournoi. Je vais pas m'en occuper pour l'instant. On va voir si lui il aurait pas un arc intéressant. Parlons à faire. Les arcs. Ça monte jusqu'à 77, c'est pas mal. Ça demande une force incroyable à ce prix là. Ah, il a pas de truc vraiment génial. Ça commence à freine 57 et après pof là il y a un saut. Et moi je peux pas équiper un arc en freine, j'ai besoin d'un plus faible. Bon, voilà voilà. On va continuer notre chemin. Je crois qu'il y a un cordonnier dans cette ville. Je suis pas sûr du tout. Il y a des cordonniers. On va voir si le tailleur a l'outil pour réparer les bottes. Ou pas. Alors, mon armure. Qu'est-ce que j'ai? Une capuche noire, un grand bison de... D'accord. Donc j'ai des trucs d'armure à faire réparer. Certains que je peux réparer moi-même, certains que je peux pas. Alors, monsieur le tailleur. J'ai encore un nécessaire de tailleur? Je sais plus. Oui. Alors, capuche noire et grand bison de Saxe. Est-ce que le fait qu'il soit abîmé a un impact? J'ai pas l'impression, c'est toujours 1-1-1-1. Gambison de Saxe. Ah, Gambison de Saxe, si, ça a un gros impact. Je suis bien moins protégé sur le corps à cause de ça. Moins 2, moins 4, moins 5. Ah, Gambison de Saxe, c'est assez efficace contre la défense de choc. Ouais, c'est le truc sur lequel j'ai plus de mal. Et l'armure à main aussi. Ah, parce que mes gants sont pas très efficaces contre le choc. Je crois qu'il faut des gants en cuir pour maximiser la défense contre le choc. Est-ce que lui, il vend des gants? Je pense pas, je pense que c'est l'armurier. Bon, on peut regarder qu'est-ce qu'il vend et qui a de la défense. Pourpoint. Coiffe. Non, donc il vend pas de gants. 4, 7, 11. Je crois que ma pièce d'armure abîmée, là, elle a à peu près ça. 4, 7, 11. Exactement. C'est cher. On va marchander. Et si on parlait un peu du tarif? Bien entendu. Je sais plus si j'ai l'atout pour... Je crois que je l'ai. Marché conclu? Ouais, vous offre ferme. Oui, cette somme... Ok. Bonjour monsieur le fabricant d'armure. Donc j'ai plus de quoi réparer mes armures moi-même. Bonne journée à vous. Je vais vous acheter un nécessaire d'armure.
1, 2. Ah, est-ce que j'ai les sous pour 2? La réponse est non. Peut-on Donc. s'arranger sur le prix? Pourquoi pas? Pareil, on Est-ce va que... jouer avec offre ferme. Bon, très bien. Est-ce qu'il veut bien me réparer ma cuirasse de Milan ou pas? Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Pour une réparation. Ah, c'est beaucoup trop cher. J'ai actuellement 180. Je peux plus acheter d'ailleurs De l'ail, des carottes, de la betterave et des oignons. de masse Tout avec ça. pousse dans le sol, tout est frais. Venez, approchez! J'ai toute une gamme d'ustensiles avec des appareils divers. On va se bastonner un peu pour s'entraîner. Alors je me demande si c'est pas le plus costaud. Que Dieu vous accompagne. Tu combats avec Milan? Ah non, c'est Milan le plus costaud. Hop. Bon, c'est quand même un peu triste. Dépouille des paysans. Pour qui deux gros chênes, c'est une somme d'argent importante. Il a déjà le torse en sang, juste parce que j'ai défendu en mettant un coup de pied sur son torse. Tu vas te mettre à pleurer. Et toi, tu vas te mettre à pleurer? Bon, désolé, hein, je te pique tes affaires. On va aller voir le troisième. En vrai, ça me fait pas beaucoup monter mes stats de force, mais bon. En vrai, l'assaut s'était relativement bien passé, c'est juste contre le boss que je m'en suis pas sorti. Et comme j'avais fait aucune sauvegarde, me voici loin. Enfin, j'ai perdu toute la progression de la bataille. Sachant que de toute façon, pendant la bataille, je pourrais pas boire de snap du sauveur. Donc si je meurs à la fin contre le Ingre, eh ben, il faudra que je refasse la bataille complète. Mince, je vais trop loin moi. Où est-ce qu'il est le Gugus? Il est parmi les... Ouais. Il est parmi les spectateurs. Milan. Dieu vous protège. Battons-nous. Tu leur as mis une sacrée pâtée à ces deux-là. Là, je me suis fait des gros chênes grâce au pari. Les types de Scali... Oh, lui, il mise 4. C'est osé, ça, mon gars. Mince. Là, c'est des petits coups. Il a l'air d'avoir encore de l'énergie, alors que moi, j'en ai plus. Par contre, il a déjà... quelques traces au visage. Bon, à mon avis, il a plus de force que moi. Là, c'est l'équipement qui joue. Moi, j'ai une armure entière. Ah, ouais, ça c'était ballot. J'avais plus d'énergie. Alors que lui, bah, il est habillé de façon très légère. Il a pas de gants. Il a rien à la tête. Je mets quand même pas mal de coups de poing dans la tête. Quand il arrive pas à se protéger. Quand il se protège avec les mains. Je sais pas à quel point ça protège et si l'armure compte beaucoup ou pas. Ah là là, il a tenté de mettre un gros coup et j'ai réussi à glisser un petit coup, je suis content. Bon, et on s'arrêtera après cette bagarre. Ah bah voilà. Je pique pas ses vêtements, je préfère que les gens soient habillés
J'explique la nourriture parce que j'ai toujours un peu faim. Et bon, c'est ça d'économiser. Et le stand du sauveur parce que ça vaut cher. Et puis c'est utile. J'ai gagné le combat. J'ai fini l'activité du coup, il y a encore des choses. Soyez gentil, frappez-moi. Vous pouvez vous battre de nouveau contre Milan. Ok. J'ai pas mal de missions en cours. Alors ça c'est pour apprendre à lire. Il faut pas que je la fasse avant d'avoir fini les événements de Privislavis. Sinon je ne débloquerai pas la mission. Pardon, pas la mission, le succès. En vrai, je peux continuer à m'entraîner avec Bernard. Le défaut, c'est que ça abîme mon armure. Ou je peux aller voir Thérèse pour faire une petite pause. En vrai, il me faudrait plutôt une façon de gagner des sous. Par exemple, en tuant le chef du campement, ça va m'entraîner aussi. En tout cas, on fera ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu.